Bonjour tout le monde, donc on se retrouve aujourd'hui dans un hall, donc des petits, tout petits halls. J'ai acheté 2-3 choses à Noz, à Action et chez Truffaut, donc sur Cholet. Donc je vais vous montrer ce que j'avais trouvé. Donc chez Truffaut, déjà j'ai pris cette planche de tampon. Donc ça j'aime bien ça pour mettre dans mon journal. Et je trouve que c'est des tampons pensées positives et je trouvais ça plutôt sympa. J'en ai tamponné sur des étiquettes et je me dis même pour faire finalement des petits textes pour le scrapbooking, enfin pour une photo, n'importe, ça peut être sympa. Donc on a des débuts de phrases aujourd'hui et puis après j'ai décidé ou j'ai envie de rêver, de voilà. Donc c'est, après on découpe nos petits mots et puis on insère ça sous nos photos. Donc je trouvais ça plutôt chouette. J'ai pris aussi à Truffaut, dont je ne connais pas, la marque Appli, du scotch double face. Et on a 10 mètres. Donc à voir ce que ça donne. Je ne le connais pas, donc je vais essayer et on verra ce que ça donne. Et puis la dernière chose que j'ai pris chez Truffaut, c'est ce petit washi tape. Je le trouvais trop beau, trop joli, avec des couleurs très, très sobres, très neutres. Donc je me dis que ça va aller avec plein de choses. Donc j'ai craqué pour le washi tape. Ensuite, je suis allée à Noz parce que je cherchais du ruban rose. Donc, j'en ai pas assez, bien entendu, mais je sais pas s'il y en a beaucoup. Ouais, il n'y a pas très épais de ruban. Bon, ça va me servir pour démarrer pour ce que j'ai à faire, mais il m'en faudra d'autres. Donc, j'ai pris 3 rouleaux de ruban à Noz. J'ai trouvé également un album comme celui-ci, Magic Believe. Billy Magic, et il est vraiment très très sympa. Donc les premières pages ne sont pas recto verso, et à un moment donné on va avoir des pages recto verso. Donc là c'est toujours et là juste après celle-ci on va avoir des pages recto verso. Vous voyez, après il y en a des deux côtés. Donc on a 4 pages de chaque. Enfin moi je le trouvais vraiment très 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 joli. Je suis tombée dessus par hasard. J'en ai pas forcément vu d'autres. Bon après je pense que dans d'autres actions, dans d'autres noces vous allez le retrouver. Mais enfin moi j'ai vraiment craqué dessus. Je le trouvais magnifique. Il était au prix de 3,99€. Donc ça c'était plutôt sympa. Et puis après j'ai acheté dans des petites gourmandises. Ça je ne peux pas le dire. Je suis retournée à Action. Donc à Action, j'ai pris les rubans bleus qui sont dans les trucs de Noël. Attendez, je vais peut-être vous allumer la lumière, vous verrez mieux. C'est donc un bleu très très clair, très simple. Bon, je l'aimais bien. Donc j'ai pris ça, un ruban bleu. Et j'ai pris ces embellissements. Donc normalement, ça sert pour décorer le sapin. Moi, je me suis dit en petite breloque, en petit charme sur le côté d'un album, ça peut être très sympa. Donc il y a des chaussures, des gants, une tenue, des chaussettes, luge. Alors je les ai pris en gold, en argenté et en traditionnel rouge et blanc. Et j'ai trouvé également des bacs comme ça. Donc j'en ai pris que 2. Alors je sais pas, attendez, je vais les mettre comme ça pour me voir. Hop, et hop. Donc j'en ai trouvé 2. De bacs comme ça. Attends, je vous montre là. Je les trouvais super chouettes. Je les avais vus sur une chaîne. Quelqu'un les avait trouvés. Et en fait, je les trouvais bien parce qu'en fait, on peut ranger des blocs 30-30. Normalement, je pense. Ouais, donc on peut ranger des blocs 30-30 sans les abîmer. Donc ça, c'est plutôt bien. Et puis, on peut également... Alors moi, je vais vous montrer ce que j'ai fait. Excusez-moi pour le bruit. Je vais vous montrer ce que j'ai fait. Donc, je vais retourner en acheter, je pense, une dizaine de bacs comme ça. Moi, du coup, j'ai classé sur mon bureau, dans une bannette, une partie de mes tampons. Parce que c'est vrai qu'ils sont dans un meuble. Ils étaient dans des petites panières dans un meuble derrière moi. Mais à chaque fois, il fallait que je me tourne et ça, c'est chiant. Et je les voulais vraiment à disposition parce que j'utilise énormément les tampons. Donc du coup, j'ai mis tous mes tampons. J'ai juste à tirer, ils sont au bout de mon meuble. Je les tire et je prends mes tampons. Donc là, les 2 premiers bacs vont me servir que pour le rangement des tampons. Et puis les autres bacs, ils vont me servir à ranger des embellissements, des choses comme ça. Et en fait, je trouve que ça présente bien. Enfin, je vous montrerai, parce que là, je pense que je vais réaménager ma scrap room. Donc je vous montrerai tout ça.
Là, je suis en train de finir ce petit album que je vous avais mis en vidéo là quand j'ai fait le tuto sur les reliures. J'ai fini les reliures de cet album-là. Et en fait, je suis en train de faire tout un petit système. Je vais vous montrer. Si ça fonctionne bien, je vous le mettrai en... Enfin, je vous ferai un petit tuto. Mais je suis en train de faire... Alors, attendez, non, il faut que ce soit... Que je le remette bien correctement. Donc, en fait, ça se présente. Ma couverture, en fait, j'aurai un rond comme ça. Sur... En fait, la lumière, c'est pas mieux. Il y aura un rond comme ça sur ma couverture qui sera scotché. Et en fait, quand on tourne... Attends, je ne sais pas si je vais pouvoir vous le faire comme ça. Quand on tourne... je vous le mets comme ça pour que vous puissiez mieux voir. Quand on tourne, en fait, il y aura... donc là, moi, c'est un tamponnage que j'ai réalisé et qui va venir... non, je ne l'ai pas mis dans le bon sens. Et qui va venir s'ouvrir comme ça. Donc, je trouvais ça plutôt sympa. Et puis, en fait, je vais mettre un petit texte, je pense, ici, mon album photo, etc. Il y a un système d'embellissement, je ne sais pas si vous l'avez vu, qui est juste là, qui brille et qui est fait avec ces washi tape de chez Action. Donc, je vous montrerai peut-être comment j'ai fait tout ça. Enfin, voilà, je pense qu'en fait, je vais préparer toute ma déco d'album et je vais la faire avec vous, en fait. Parce que souvent, les structures, bon, bah, une fois que c'est maîtrisé, on sait les faire, mais c'est plus la déco d'album qui cause problème. Donc, ben voilà, voilà. Je vais vous laisser. Puis, je vous dis à très bientôt. Bye bye.